bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour les tirages sentimentaux du mois d'avril. Je vous en avais parlé, les voici, les voilà. Je vais utiliser ce jeu qui s'appelle, je ne sais plus, l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller pour choisir le signe astrologique. Et on va être accompagné durant tous ces tirages par la musique I Give Love de Semyou, qui est un de mes amis et qui m'a fait l'amitié de m'autoriser d'utiliser sa musique gentiment pour faire mes tirages et pour vous le faire découvrir. J'espère que vous aimerez. N'hésitez pas à le découvrir sur YouTube, Instagram, TikTok. Il a des comptes partout. Il a plein de sons très très sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et on est parti pour les scorpions. Pour ce tirage, je vais utiliser l'Améthyste Love, le Tarot des Flammes Jumelles by l'Oracle, le Petit Oracle des Âmes Amoureuses de Géraldine Garance et mon Golden Love fait par moi-même. Voilà, je fais le tirage et je reviens vous voir. Et c'est reparti, amis scorpions. Alors, on vous parle de sensualité, d'amitié, de réconciliation, d'amour véritable, de discussion et de nœud karmique. Alors, moi, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que vous étiez en relation avec quelqu'un qui, sur le plan charnel, ça fonctionnait super, super bien. C'était le feu comme pas possible. Certainement, une espèce d'amitié amoureuse. On vous dit qu'apparemment, pour le moment, vous êtes en séparation. On vous dit que c'est un amour véritable et que ça va nécessiter une discussion. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui doivent être exprimées. On vous dit que vous étiez face à un nœud karmique et que c'est en train de se défaire. Et qu'une fois que ce nœud sera défait, il y aura une réconciliation qui arrivera. Alors, on est en train de me reparler des cancers et des balances, parce que c'est quelque chose qui ressortait aussi sur ces signes-là que j'ai fait un petit peu avant. Donc, peut-être que ça peut vous parler, et j'ai l'automne en tête, donc sachant que c'est votre saison, mais voilà, c'était sorti aussi sur les deux autres signes, donc peut-être que ça va vous parler. On est parti avec le tarot des flammes jumelles, je reviens de suite. Allez, c'est reparti. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter, je ne vous contacte jamais, jamais, jamais en premier. Vous avez toutes mes coordonnées sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook, donc n'hésitez surtout pas. Mais je ne fais pas de retour affectif à 800 euros et toutes ces conneries-là. Je vous le dis, voilà. Si on vous demande des sommes pas possibles, en général, c'est que ça pue, il ne faut pas y aller. Alors, on vous parle de capacités. Donc, j'ai pour l'habitude de dire qu'on a tous des capacités, simplement, soit on décide de les utiliser ou non. Donc, on vous dit, a priori, que vous avez des capacités, ce qui ne serait pas étonnant, puisque les scorpions, vous êtes quand même un signe énormément intuitif. Donc, ce serait pas étonnant. On vous parle d'abstinence et de réussite. Donc, pour moi, on vous dit que la rupture qu'il y a eu là, c'était pour vous faire avancer. C'est drôle parce que c'est vraiment très commun à tous les signes quasiment que je viens de faire. En fait, on vous dit que cette rupture, elle a eu lieu pour que vous rendiez compte de vos capacités et que vous soyez le créateur de votre réussite. On vous dit que de toute façon, il y a des règlements. Ce qu'on vous parlait tout à l'heure avec le nœud karmique, hein, il y a certainement des nœuds karmiques entre vous et votre autre, évidemment, mais il y a aussi des nœuds karmiques entre cet autre et sa tierce, et vous, peut-être avec d'autres tierces. Donc, on vous dit que de toute façon, c'est le chemin, en fait, hein, pour vous retrouver, pardon. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on vous parle de bloquer pour travailler, c'est vraiment ça, c'est ce que je vous disais. On vous a séparés pour que chacun travaille sur son chemin de vie, sur sa personnalité, guérir ses blessures et avancer. On vous dit qu'il y en a un des deux qui était, ou les deux, en autoprotection. Et donc, bah forcément, ça a mené la relation aussi, à sa perte, on va dire, même si c'est que momentané. Et on vous parle de solitude. On vous dit que grâce à cette solitude, chacun a pu aller dans l'introspection et donc avancer. On peut vous dire aussi qu'il y en a un de vous deux qui a peur de la solitude et qui subit et qui ne veut pas être seul. Et c'est peut-être votre autre qui ne veut pas être seul et donc qui s'est remis avec une tierce très rapidement pour justement ne pas travailler, parce que c'est toujours très difficile de travailler sur soi. Ok, allez, on va voir avec l'améthyste love. Je reviens de suite. Allez, on y retourne. Alors, on vous dit et on vous conseille. Alors, j'ai deux messages qui sont complètement opposés. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? On peut vous dire que votre relation, elle avait commencé en étant secrète. Et on vous dit que il faudra que cette relation soit exposée au grand jour. Ah, attendez. Ok, on détaille un peu plus ce truc. On vous dit que cette relation, elle était secrète et discrète. Et on vous dit que quand cette personne, elle va revenir, qu'elle aura enfin fait tomber ses masques, elle devra être prête à assumer cette relation au grand jour. Si c'est pas le cas,
ça veut dire qu'elle n'aura pas fait tomber son masque et ça veut dire qu'il ne faut pas se remettre avec cette personne. D'accord? Tant que ça, cette notion de pouvoir dire au grand jour, ça ne veut pas dire qu'il faudra le faire. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudra annoncer à tout le monde en grande pompe que vous êtes ensemble. Simplement, ça peut être un bon test de voir si cette personne elle est prête à assumer aux yeux de tous que vous êtes ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que cette personne elle n'est pas prête, il ne faut pas y aller. On vous dit de toute façon hein, que c'est une relation protégée, une relation karmique, mais pas forcément karmique négative, hein, c'est plus un contrat d'âme, hein, d'accord? On peut vous parler du signe du cancer, du lion et de la vierge, on peut vous parler aussi de l'été. Ça peut être significatif pour vous et on vous parle peut-être de, comment dire, de déclenchement cet été. Et on vous dit que de toute façon, il y a le succès hein, sur cette relation, ce qui ne paraît pas étonnant hein, dans le principe puisqu'on est sur un contrat d'âme qui est plutôt chouette. Hein. D'accord? Allez, on passe sur le petit oracle des âmes amoureuses pour conclure. Allez, on regarde ensemble, on vous parle que la personne en face de vous va prendre des décisions. Qu'elle vous demande de lui faire confiance. Qu'elle se sent seule, ah bah, c'est pas étonnant. Elle se rend compte petit à petit de ce lien que vous avez. Hein, et donc, elle se rend compte que c'est votre autre et que vous êtes le sien d'autre. Ouais, quelqu'un qui ne s'est pas très bien comporté avec vous et qui vous demande de l'excuser. Mais qui est... Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'harmonie avec vous, d'accord? Mais qui, pour le moment, est toujours dans l'ego. Et donc, bah, il ne vient pas. Voilà. Pour le moment, cette personne ne vient pas. Parce qu'elle est toujours... ce que je vous disais, elle est toujours avec son masque. Donc, tant qu'elle n'aura pas fait tomber le masque, ça ne sert à rien d'attendre quelque chose de cette personne. Continuez de tracer votre route. Parce que de toute façon, sinon, ça ne donnera rien, quoi. En fait, vous allez reproduire les mêmes schémas, en fait. C'est-à-dire, il va revenir, il va repartir, il va... Alors, quand je dis il, ça peut être elle, hein. Mais repart. Enfin, bon, donc là, vous perdez votre temps. Vous souffrez, ça n'a aucun intérêt. Cette personne en face, bah, elle s'amuse, elle va à droite, à gauche, je ne sais pas trop. Donc, ça ne sert à rien. Si cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas prête à assumer au grand jour votre relation, sans vous dire de vous exposer, hein, mais en tout cas, si elle n'est pas prête à assumer votre relation au grand jour, c'est-à-dire que cette personne n'est pas prête et ça ne sert à rien de repartir avec cette personne. Voilà. Ce sera un signe pour vous. Hein. D'accord? Voilà, voilà, mes scorpions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu, vous aura guidé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, je suis toujours disponible. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos commentaires. Vraiment, c'est vraiment hyper touchant, ça me va droit au cœur. N'hésitez pas à liker aussi, ça m'aide beaucoup, à commenter, c'est toujours chouette. À partager, ça peut aider quelqu'un que vous connaissez qui pourrait avoir besoin d'entendre ce que j'ai à lui dire. N'hésitez pas à partager parce que bah, l'air de rien aussi, moi, ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Et puis bah comme toujours, keep cool and love. Mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin, reste dans le tour de. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. J'te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ouais, pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire. Qu'avec toi seul, j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible.